matin. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut poser une question. Tiens. Putain, il y a juste l'arbre devant. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il s'est pas passé ce qu'on voulait à la base déjà. C'est clair que on est parti à l'attaque. Trop optimiste sur un virage qui refermait, on est parti en tête à queue, voilà, ça s'est terminé à l'envers dans le fossé, donc bon, c'est la course, ça fait partie du jeu. C'est sûr qu'on aurait préféré finir la course et sur le podium si possible, mais d'un autre côté, voilà, c'est quand on fait de la course auto, ça fait partie du sport. Et donc voilà, c'est sûr que moi je suis un petit peu déçu pour moi, pour l'équipe, mais aussi pour tous les spectateurs qui sont là et qui s'attendaient à voir passer dans une voiture de course. Merci. Et puis voilà, je ne suis pas dans une voiture de course, je suis debout dans une DS3 Cabrio, c'est comme ça. Ça aurait pu finir mieux. D'un autre côté, voilà, il n'y a pas de championnat en jeu, c'est la vie. Donc la vie continue, on ne s'est pas fait mal, tout va bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à tous pour l'accueil parce que c'est vraiment une course extraordinaire ici en Alsace. On voit toujours énormément de monde au bord des routes et ça fait au chaud au cœur. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous et j'espère faire mieux à la prochaine course. Merci Sébastien et bonne chance pour les prochains challenges, il y en aura et je crois que maintenant il va falloir, dans quelques instants, il va falloir dégager la voiture, je crois que c'est... Fiesta VRC qui a d'ailleurs souffert puisque vous pouvez voir que l'aile avant droite a été fortement endommagée. Et il s'est planté là ou quoi? Et ça s'est passé ce matin à Haguenau. Yeah.
Citroën DS3. Sixième d'un autre de passage avec la voiture numéro 2. Ici devant les chicanes du parking de la gare, eh bien ces impressions ne se sont pas trompées puisqu'ils réalisent le meilleur temps provisoire en 4 minutes 21 secondes et 1 dixième. Ils devancent donc de 5 dixièmes Evans qui lui avait fait 4:21.6. Ici dans les rues de Agde. Thierry Deville que nous voyons tout à l'heure à l'attaque en travers.
terre sur le parking en portant à moitié une botte de paille en allant. Ne dites pas ça. Sinon il a plus de temps je crois. Mais oui. Mais je crois à un moment donné il a klaxonné.